Ok, appel à toutes les unités, il y a un homme dangereux dans un quartier où je vous envoie la position, il faut l'intercepter, il est lourdement armé et il a déjà tué deux agents à terre. 10-4, on arrive. Adam, on arrive. Lincoln 11 en route. Et il est masqué aussi. Ok, 10-4. Qui est derrière le véhicule là-bas. Derrière le camion. S'il vous plaît. On s'avance doucement. Mettez-vous bien à couvert. Hein. Ok, j'ai l'individu, il est monté dans un pick-up. L'individu monté dans un pick-up, négatif. Arrêtez-vous, lâchez votre... L'individu se rade. Je monte dans un pick-up, je le suis. Non, vous mourrez pas. Bouge plus. Non, vous mourrez pas. L'individu vient de se faire écraser par un... Les mains en l'air. Ok, profitez-en pour lui. Les mains en l'air. Vas-y, retourne-le. Cool. Face au camion. Vas-y, 18, mets-lui les menottes. Mets-lui les menottes, on le ramène au scout. On lui donne le droit. Ok, vas-y, escorte-le jusqu'au scout. Allez, on est parti, les gars. Interpellation du vide. Oh, attention. Je bloque la. Ah. Interpellation de l'individu. Je suis dans le coma. Négatif, c'est trop grand. Coma. Ah. J'appelle LSS pour le collègue. Ok, fin de situation les gars. Dites-moi, il est où, là on a 24 au sol par contre. Hein. Il s'est fait percuter par un véhicule. 11 au sol, pas 24. 11 pardon. Ouais. Et 24 est juste à côté, c'est juste qu'il répondait pas. Je sais pas, je crois que j'ai des soucis d'oreille, je crois. Ah bah je t'ai appelé, mais... Moi, one shot par un camion, j'ai pas qu'il était à l'arrêt. Hein. Ah merci. C'est bon là. Non, je vais enlever ça là, non, parce moi, que c'est toujours chaud. Thomas. Pour le capitaine. Ouais, là, c'est parti temps. Vraiment en cacahuète avec les natifs. Oui, c'est à cause de ma faute, mais c'était un peu voulu. Dites-moi, est-ce que les médecins ont répondu à l'appel? Là, du coup, moi j'ai. Après, quand il y a cette j'ai pété deux pneus. Dedans, je me suis dit, j'ai directement pété un pneu avant que vous démarriez, et puis vous m'avez tasé juste après, donc j'ai eu le temps de péter le feu. Et le pneu, une fois que j'ai mis une balle dedans, il a explosé directement. Bah, au moins ça fait circuler. Pourquoi il y a autant de concitoyens ici là? Fais gaffe, Dizit, fais gaffe. On passe. Il est où 18? Oui. Fallon, j'ai ta thune. Alors. Dans le port sera caché deux zombies. Vos gueules par contre. Il va falloir que vous vous cachiez pour survivre. Vous aurez jusqu'à la fin des explications. Tout le temps que vous voulez, mais à cette fin, 5 minutes maximum pour trouver la cachette idéale. Ceux qui seront les plus courageux d'entre vous pourront se balader en essayant bien sûr de ne pas croiser les zombies. Si un zombie vous meurt, donc simplement mordre, c'est un coup de poing ou pousser. Une fois qu'un vous a touché, vous êtes contaminé. J'ai peur. À votre tour de mettre le masque et d'aller partir à la chasse. Après ça, je vais vous expliquer simplement. N'oubliez pas de mettre une petite démarche. Oh, désolé. Oh putain. Wow. On commence pas à mordre maintenant. Attends, je vais régler ça. N'oubliez pas, une fois le masque mis, que vous devez partir à la chasse, faites une démarche fatiguée. Les zombies sont dans l'obligation de marcher jusqu'à ce qu'ils voient quelqu'un. Dès qu'ils ont vu une proie, ils ont le droit de courir. Ouais, je suis une légende. Vous autres, les survivants, vous n'avez pas le droit de frapper un zombie. D'accord. Vous n'avez rien de droit de faire face aux zombies. La seule chose que vous pouvez faire, c'est courir et vous cacher. Ah ouais. D'accord. Il y a une zone définie. Cette zone, elle va se raccourcir petit à petit.
C'est Fortnite pour les PD. Oubliez pas, il va falloir faire un top 1. Puisque c'est la dernière personne qui aura survécu à tous les zombies gagnera 25 000 $. On a le droit de construire, on a le droit de mettre des murs et tout. Je vais faire 3 jours. Luc, t'as toujours la tête des vampires. On a droit de vivre. Il faut que je vous explique quelque chose. Avant que tout commence, je vais me balader entre vous et 3 personnes ne sentiront rien mais seront piquées. Et ces personnes, un message leur apparaîtra juste à eux. À un certain moment, ils deviendront zombies. La transformation commencera. Ça pourrait être votre meilleur ami comme votre pire ennemi. Faites attention avec qui vous êtes. Je suis un zombie. Mais madame, du coup, les zombies vont me balader. Faites bien attention, la ville sera totalement plongée dans le noir. J'espère que vous voyez bien en sécurité. Moi je reste avec la mafia. La mafia, on y va, la mafia. Ça n'a pas commencé, faudrait que tout le monde revienne, s'il vous plaît. Maintenant, on va finir. Tout véhicule est interdit. Seuls vos pieds vont pouvoir vous sauver. Vous êtes bien d'accord? Oui, capitaine. J'ai oublié mes Azix. Une fois que je vous dirai c'est parti, à vous de partir en courant. Faites bien attention. Il va y avoir des tricheurs, voilà. D'accord. Est-ce que t'as le... Non, c'est son... Malheureusement, j'ai pas de nourriture sur moi. Ah merde, j'ai faim. Ouais, moi aussi j'ai faim. J'ai vraiment faim. Que je vous réexplique bien. Aucun cri. C'est normal. Ça sert à rien de crier, c'est normal. Vous allez voir beaucoup de choses comme ça. Non, pas de sandwich, désolé. Ah ouais, après, j'ai la dalle, j'ai mouillé. Moi je croyais qu'entre frères, chose. On se partageait tout. On répète une dernière fois. Je vais vous répéter une toute dernière fois, d'accord? Quoi, c'est vénère. Hein. Quand vous êtes survivant, vous n'avez pas le droit de frapper ou quoi que ce soit le zombie. C'est disqualification directement. D'accord? D'accord. T'avais où ça explosé? À partir de maintenant? Elle a la tête d'homme, ça va pas, c'est un pour aller vous cacher. Let's go. J'ai crevé. On voit les gens qui survivront à l'attaque zombie, hein. Moi, dans tous les cas, j'ai faim, ça sert à rien. Oh, vas-y. On voit clairement qui va survivre à l'attaque zombie, la panique directe. Hop là, ils sont tous morts. Cachez-vous deux, Chou et Zouille. Oui. Et Pet. Dis-moi. Allez-y, allez vous cacher. Allez, partez, vite, courez. Ah, deux zombies, toi. Mais Zouzou, non. Zouzou, t'es un zombie de ta race, reviens. Je suis aussi, moi. Pourquoi t'es à poil? Y'a quoi? Il veut bronzer, il a dit. La mafia un slip, oh. Non, pas aller dans l'ouest devant. Non, mais t'as le droit d'aller sur le truc là-haut. Parce que dans le bateau, frère, t'as deux sorties. Hein. Y'a un mec sur le bateau, vous l'avez vu? Là-haut, en face. Regardez en face, là où je ping. Enfin, en face où il y a mon doigt. Ping, vous voyez enculé, bah. Regardez où il y a mon doigt. Il était sur le pont. Et venez, on saute dans l'eau, y'a de l'eau là. Il y en a encore moins 5 qui ont vie. Ah, les bruitages! Non, j'ai crash. Je vois 3 zombies l'un à côté de l'autre marcher là-bas, c'est trop stylé. Il y en a encore en 5 en vie, au moins. Putain. Mais pourquoi il y a une ambulance là? Putain, c'est qui a passé un appel? Il est trop fort celui qui fait les bruitages. Quoi? Il en reste au moins encore 5 en vie, voire plus. On fait une petite deuxième manche comme il y a du monde d'arrivée, ça vous dit ou pas? Ça pourrait, ouais. On peut, bon, ils l'ont trouvé. Ils l'ont pas vu. Ah bah là derrière il va se faire niquer par contre. Ça fait plus que 15 secondes, là c'est fini. Pardon. Okay. PD d'avoir gagné. Je vais faire un message et on va... J'ai perdu mon masque, il fait chier.